Bonjour, c'est Fabien pour Run VE. Donc aujourd'hui, on vous présente la Honda E de David, qui a été super sympa de bien vouloir nous la présenter. Donc David, je te laisse présenter ton véhicule. Ouais, bonjour. Écoutez, mon véhicule électrique, le seul de chez Honda pour l'instant. Ouais. Mini citadine et très confortable à l'usage. D'accord. Pourquoi tu as choisi celle-là plutôt qu'une autre? Est-ce que tu étais renseigné sur d'autres véhicules avant ou... Si, j'ai fait un petit peu le tour, comme tout le monde qui achète un véhicule. Je voulais un truc très pratique. D'accord. À l'usage, notamment en ville où je dépose ma fille à l'école tous les matins, je vais la récupérer. Ok. Donc pour se garer en ville à Saint-Pierre, c'est pas forcément évident. D'accord. Donc, je voulais un truc hyper pratique. Et j'avoue que là, avec le rayon de braquage qu'on a sur celle-là, c'est top. C'est vrai, ouais, je te l'accorde, ça, c'est sûr que c'est un gros argument en sa faveur. Donc là, du coup, ta voiture, tu l'utilises en famille, quoi. C'est pas juste un véhicule personnel. Non, moi, ça va être mon véhicule surtout de travail, d'accord. Mais en allant au travail, je dépose ma fille. Ok, d'accord, super. Et l'espace intérieur, tu le trouves plutôt agréable? Parce que tu l'avais pas du tout essayé avant. J'ai jamais essayé. Ouais, elle est arrivée, tu as découvert comme ça, quoi. Ouais, j'ai découvert comme ça. Bon, j'ai regardé pas mal de vidéos. Évidemment, ouais. Mais c'est vrai que. Ouais, je me suis dit. J'ai laissé faire. Ok, d'accord. J'ai laissé faire. Mais écoute, ouais, en tout cas, elle est vraiment superbe. Ouais, l'espace à l'intérieur est suffisamment large pour moi. D'accord. Et donc, tu avais regardé d'autres voitures dans le même gabarit ou tu as vraiment regardé toutes les catégories? J'avais regardé un petit peu tout. En fait, on a déjà un Iniro à la maison. D'accord. C'est notre voiture principale. Quand on va en week-end, on va à Saint-Denis, etc., c'est celle qu'on utilise. D'accord. Mais moi, du coup, je peux me permettre de prendre une toute petite voiture avec une petite autonomie. D'accord. Ça me suffit. Donc là, vous avez une voiture avec une grosse autonomie et en regardant celle-là, tu as pu chercher l'autonomie du coup. Ça aurait été quand même mieux d'en avoir plus. Un peu plus, c'est sûr. Voilà, mais. Non, ça n'a pas été un frein. D'accord, ok, super. Mais je peux comprendre que ça l'est pour beaucoup de monde. Et là, est-ce que tu as déjà fait des grosses sorties avec? Ou tu t'es cantonné au sud pour l'instant, dans le sud? Non, je suis allé dans l'ouest, je suis d'accord. Allé à Saint-Gilles. Je suis allé à la Crête dans les Hauts-de-Saint-Jean aussi. D'accord. Et bah, sans problème. Et au niveau consommation, elle reste dans les normes? Je crois que c'était 18 kWh en WLTP. Honnêtement, je sais pas. Il me semble que c'est ça, mais... Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Moi, je suis à 16,5. Ah oui, donc tu es en dessous. Avec la clim. Ouais. Et si j'enlève la clim, lorsque l'autonomie est pleine, il me donne 15 km de plus. Ah bien. Mais bon, à La Réunion, c'est complètement. Clim, c'est ça. Ouais, non, mais... Donc on compte avec la clim. Ah, il faut compter, oui. Nous, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Quand on fait les essais, on essaie de tester dans les conditions réelles. Donc oui, c'est très bien que avec tu clim, puisses tester 16, ça. 16,5 à peu près. Ouais, c'est super. Hein. Non. Il y en a que deux, je crois, mais là, d'accord. Je sais plus. Moi, il n'y avait que celle-là. D'accord. Et il me semble que. Il y a quand même pas mal de différences par rapport à la version de base. D'accord. Donc je vais même pas regarder la version de base après, j'ai calé directement sur celle-là. La motorisation, c'est la 153 chevaux, ouais, là, c'est ouais, ça. Ouais. Et après, c'est tout pareil, les rétroviseurs et tout, c'est tout pareil sur toutes les finitions. Il me semble que les rétros sont peut-être pas. J'ai un doute. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est celle que tu as là, elle est vraiment, ouais. Vraiment magnifique. La couleur, tu as pu la choisir quand même ou c'était ce qui était en stock? Non, j'ai pris ce qui était en stock. D'accord. Parce que je la voulais assez rapidement. Ouais. Après, le gris foncé, me convient très bien. Et tu l'as commandé quand toi? Octobre. D'accord. Ah, elle est arrivée très vite alors? Ouais, parce qu'elle était en stock. Donc. Elle était quasiment déjà sur le bateau quand tu l'as. Elle était pas loin. Moi, j'ai prise à Rouen. D'accord. Ah oui, effectivement. J'ai choisi une concession exprès pas très pas loin. Loin pour, okay. Pour pouvoir pour faire en sorte que le transport se fasse assez rapidement. D'accord. Et après, c'est le transitaire, le mandataire. Le mandataire. Ouais, c'est ça. Qui s'est chargé de tout ça. Et là, au niveau des options, je vois qu'il y a la caméra, ça veut dire que tu as le suivi de ligne, ouais, y a toutes les lecture des panneaux. À la conduite. Ouais, super. Tu as déjà pu tester? Ouais, il y a tout. Là. Il y a le, je sais pas comment on appelle ça, l'anti-choc frontal. Oui, d'accord, le freinage, freinage d'urgence. Ouais, régulateur adaptatif, l'étanchissement de ligne. D'accord. Donc, c'est les équipements que tu as sur le Niro en fait? J'ai l'impression qu'il y en a même. Même plus. Ouais. Et est-ce que tu as pu comparer par rapport au Niro le suivi de ligne? Ouais. Est-ce qu'il est aussi bien? Ouais, peut-être il est mieux aussi bien. Ouais. Et je trouve que le régulateur adaptatif est mieux sur la Honda que sur le Niro. Il est plus précis dans le suivi, c'est ça? Alors, c'est pas ça, c'est que quand il va être moins brusque. D'accord. Parce que si par exemple tu es sur la voie de gauche et que tu as une voiture qui débouche devant toi, ça va pas être aussi sec que d'accord. sur la Niro. Ok, d'accord.
est un peu plus, ça va être plus, doux. Plus léger sur la, ouais. le freinage, ouais. même avec le moteur. Okay. Ouais. D'accord, ouais, c'est pas mal. Alors. Bah, écoute, on va regarder peut-être l'intérieur. Je te laisse nous faire la description du poste de conduite. Okay. Voilà. C'est moi qui mets dedans. Ouais, vas-y, vas-y. L'écran qu'il en faut. C'est clair. Ils sont assez grands en plus. Après, la particularité de ce véhicule, c'était vraiment les rétros sous forme de caméra, ouais, okay. qui ne ressortent pas à l'extérieur. Est-ce que c'est gênant à l'usage, tu trouves, toi? Non, on s'y fait super vite. Ah, on s'y fait super vite. Même en 30 secondes, c'était fait. Hein. Y a pas de... tu passes, et surtout que tu passes, toi, tu changes régulièrement entre le Niro et celui-là? Ouais, ça m'arrive, ouais. Et du coup, tu n'es pas perdu, pas du tout. Ça se fait rapidement, d'accord. Ouais, donc la plupart des boutons sont tactiles, mais on a quand même quelques boutons physiques qui, pour moi, sont pratiques à l'usage. D'accord. Et c'est des choses qu'on touche régulièrement, la clim. Rien que le volume et la mise en marche du son, déjà, ouais. je trouve que c'est... Ça, il faut ouais, que ça reste comme ouais, ça. C'est voilà. ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, okay. ils ont trouvé un bon compromis, je trouve, entre le tactile et le physique. D'accord. Et au niveau de la lecture des écrans, tu n'as aucun souci? Tu n'as pas de reflet ou... Non. D'accord. Non, les écrans sont bien c'est lumineux. Ouais, comme à La Réunion, on se dit qu'il y a beaucoup de soleil, peut-être. Non, ça ne gêne pas du tout. D'accord, non, okay. Ça ne gêne pas du tout. Et même la nuit, c'est pas trop, ça éblouit pas. D'accord. Et donc, ouais, l'espace intérieur. Alors là, tu as ton poste de conduite et tu es super bien installé. Moi, je suis très bien installé. Je suis 1m80 et je recule pas à fond le siège. D'accord. Et comme je te disais tout à l'heure, je trouve que moi, en tout cas, j'ai plus d'espace que dans le Niro. D'accord. C'est vrai que oui, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'espace là. Bah, je pense qu'ils ont bien épuré le poste de conduite. Et du coup, ça nous donne une impression en tout cas de. Oui, parce que comme tu n'as pas de console centrale au c'est milieu ça. Là, ouais. tu peux mettre tes jambes ouais. vraiment à l'aise. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. C'est très joli. Hein. Même là, je vois le seuil de porte éclairé. Alors, il y a les écrans, c'est sûr. Alors, le seuil de porte, il était en option. Il était sur la voiture qui était en stock. D'accord. Donc, j'ai pris avec. D'accord. Mais ça, c'était... Ça, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Une option, ouais. Ça, c'est une option. Ouais. Et donc, oui, tu me disais. Donc, on a les écrans qui sont en haut. Ensuite, tu as les boutons ici. Et en dessous, ouais. tu as les commandes de clim. En dessous, il y a les commandes de clim. Et en dessous encore, il y a toute la connectivité que j'ai pas pris le temps de forcément essayer pour l'instant. D'accord. Ah, tu as même une prise HDMI. Ouais, il y a une prise HDMI. Bon, c'est vrai que dans les vidéos que j'ai regardées, les gars, ils jouent à la PS4, d'accord, etc. Okay, mais bon, donc, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Et ouais, c'est vraiment le système japonais. J'ai pas testé encore. Hein. Ouais, trois même, d'accord. Trois portes gobelets qui sont modulables, c'est-à-dire que je peux. Hop, si génial. J'ai besoin d'un espace supplémentaire. D'accord, donc c'est pas juste des portes gobelets, c'est carrément là, c'est une boîte, ouais. Boîte de rangement et avec c'est ça. Ouais, très accessoires. Très pratique. Super. Ok, t'as les. Il y a un autre porte gobelet ici, mais bon, voilà, un peu gadget. Mais bon, ça a et t'as une petite poche là. Là-bas pour ranger. D'accord. J'ai une petite poche là-bas. Apple CarPlay marche sans fil. Ce qui est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment bien, ouais c'est un gros plus. Ah ouais, c'est en CarPlay sans fil, donc ça t'évite d'avoir un câble qui traîne c'est au ça. Milieu. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a deux modes de conduite, le normal et le sport. Le sport, d'accord. je l'utilise jamais. D'accord. Donc tu restes tout le temps normal moi, et ça suffit amplement. Ouais, ça me suffit amplement. Après, moi, j'ai une conduite assez pépère, donc moi, ça me va. Donc, j'ai même pas regardé le nombre de chevaux que la voiture faisait. Ah oui, donc quand tu l'as acheté, tu savais qu'elle avait tant d'options, mais tu as pas regardé la c'était, motorisation. Non, c'était pas le besoin principal. D'accord, okay. Chez moi, okay. En tout cas. C'est vraiment sympa. Hein. Oui, donc on parlait tout à l'heure du petit logo qu'on avait vu sur la portière, le petit N, donc ouais, le NFC, ouais. qui sert à éventuellement ouvrir la voiture à partir d'un smartphone. C'est ça, c'est d'accord. ça. Mais en tout cas, moi, au moment où je l'avais acheté, l'option n'était pas débloquée sur le véhicule. Ouais, il y aura okay. peut-être une mise à jour à faire plus tard. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est pas. Alors après, c'est un petit plus. C'est un voilà, petit je plus. Sais que ça n'existe pas forcément ouais. sur beaucoup de voitures, ce système-là, et c'est pas négligeable. Ouais. Tableau de bord tout en boîte et c'est ouais. vraiment joli. Hein. Les commandes au volant, tu trouves qu'elles sont pratiques? Elles ou... sont très pratiques, ouais. Il y en a beaucoup, mais c'est très intuitif, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Il y a même, bon, du coup, ça ne nous sert pas beaucoup, mais il y a le chauffage du volant et le chauffage des sièges. D'accord. Bon, ouais, bon ici, bah, on va pas. C'est pas bon, bah, avant que tu montes à la plaine. Ouais, éventuellement, en plein hiver. Bon. Le volcan a pété là. Donc, ah ouais. tu peux faire un tour et utiliser les sièges chauffants. T'as les palettes au volant, je vois aussi. Est-ce que j'ai tu les as utilisées ouais, j'ai les palettes au volant. En fait, dans tout, il y a à peu près 7 modes de régénération. D'accord. T'en as 4, le véhicule ne s'arrête pas tout seul. D'accord. Et t'en as 3 où
le véhicule s'arrête tout seul. Aller jusqu'à l'arrêt. Ah oui, on peut aller jusqu'à l'arrêt sur plus 3, que ouais. sur le Niro que tu as aussi. Ouais. Okay, d'accord. Bah, ça, c'est peut-être un mélange entre le Niro et la Leaf. D'accord. Tu les utilises toi régulièrement? Moi, j'utilise quand je suis en ville le mode à une pédale. D'accord. Où le véhicule s'arrête tout seul. Et sinon non. Bon. Mais tu as une application du coup qui permet d'accéder au véhicule à distance ou pas? Oui, mais alors c'est pareil, je crois que c'est comme pour le NFC, c'est pas encore bien mis en place d'accord. pour le moment. Ok, d'accord. On est avec David pour l'essai donc de la Honda E. Merci encore beaucoup pour cet essai. Hein. Modèle, tu me disais, c'était Advance. Ouais. Et franchement, un très bon véhicule, rapport qualité-prix, juste imbattable, je pense, dans cette catégorie-là. Je vous laisse apprécier la vidéo. C'était Fabien pour RunVE avec David.